pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Alerte. Ne placez plus jamais d'oignons crus dans le réfrigérateur. Vous devez savoir qui fait cela ou même garder les oignons dans votre réfrigérateur. C'est une coutume de la majorité de la population, mais tout le monde ne sait pas comment le garder. Et quand vous découvrirez cela, vous comprendrez pourquoi vous ne devriez pas mettre l'oignon cru au réfrigérateur. Bien conservés, les oignons peuvent durer des mois. Mais le réfrigérateur n'est pas un endroit approprié pour laisser des oignons ou de l'ail. Pourquoi ne devriez-vous pas mettre l'oignon cru au réfrigérateur? Cela se produit parce que la basse température provoque la rupture plus rapide des ampoules. Cette information provient du département de l'agriculture américaine. Selon l'organisme, la basse température amène l'amidon de l'oignon à se transformer en sucre, ce qui accélère la putréfaction. Quelle est la bonne façon de stocker vos oignons? Si vous ne devez pas mettre l'oignon cru au réfrigérateur, il est préférable de le laisser dans un endroit qui n'est pas aussi froid que le réfrigérateur de votre résidence. Entre 10 et 25 degrés, il est possible de garder l'ampoule pendant un bon moment. En plus de laisser les oignons faner, le réfrigérateur peut également provoquer la croissance des champignons. Pourquoi ne pas mettre l'oignon cru au réfrigérateur? Selon les experts, les oignons doivent être dans un environnement frais, sec et bien ventilé. Une autre suggestion est de garder à l'intérieur des sacs en filet, même un vieux pantalon peut être utilisé pour cela. Avantage de l'oignon pour votre santé. Il est important de noter que l'oignon est un aliment extrêmement faible en calories qui finit par augmenter la saveur de tout aliment fabriqué dans le pot. Il est riche en vitamine C, en complexe B et en sels minéraux, tels que le phosphore, le fer et le calcium. En outre, il contient une grande quantité de flavonoïdes, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Pensez-vous que c'est peu? Les avantages de l'oignon ne s'arrêtent pas là. 1. Combattre les infections. 2. Aider à mettre fin au rhume et à la grippe. 3. Utile dans le traitement des maladies de l'estomac. 4. Dissout les caillots de sang. Ensuite, il est temps de suivre les recommandations des experts et de profiter de cette nourriture merveilleuse et de comprendre pourquoi vous ne devez pas mettre l'oignon cru au réfrigérateur. Profitez-en pour partager ce contenu avec vos amis sur les réseaux sociaux. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces pour la santé, rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des cheveux, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.